Voilà, là on est à nouveau 13 jours après le passage en prélevé. Donc ce qu'on voit en premier, c'est qu'il y a une très très bonne levée. Et puis on voit aussi que je n'ai rien détruit en passage de prélevé. Donc là, on voit mes passages comme ça. Et le semis, il est comme ça. Et là, on voit que l'entrepreneur a apparemment fait une bêtise. Donc il a, sur toute la parcelle, fermé deux rangs à chaque fois. Donc c'est sur toute la parcelle, il manque chaque fois deux rangs. Donc je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un réglage pour les bandes de pulvérisation, mais il a fait ça partout. Donc nous, évidemment, on ne traite pas. Donc en bio, on ne laisse jamais des passages comme ça. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est les mauvaises herbes. Très sec, on n'a pas eu de pluie depuis le semis. Alors j'étais venu faire un essai ici il y a deux jours, donc j'ai passé là une bande parce que ça commençait à devenir très sale. Donc là on est dans la fourrière, donc l'endroit le plus sale. On voit, c'est très très sale. Et donc là je suis passé, mais j'ai pas tout fait parce que je trouvais que j'arrachais un peu trop de poids. Donc ils étaient encore très fragiles il y a deux jours. Et en termes de propreté, ben, on voit de temps en temps une mauvaise herbe. Mais on a beaucoup moins qu'ici. Ici c'est vraiment à la pelle. Donc avec la RC Tri, il s'agit un peu de trouver l'équilibre entre faire le moins de dégâts possible et passer le plus tôt possible pour être le plus efficace possible. Et donc l'année passée, j'avais tout fait à la roue rotative parce que là, il avait plu beaucoup. Donc chaque fois, après chaque intervention, après le semis, il pleuvait. Le sol était bien damé, bien compact. Et donc avec la roue, on arrivait à être efficace. Mais ici, le sol, il est comme au jour du semis, donc c'est beaucoup trop meuble. La roue rotative va pas faire grand chose là-dedans. Donc je vais encore faire la herse cette fois-ci en espérant un peu de pluie pour la prochaine fois. Ici on est dans une zone qui est assez sale, donc et là je suis passé, et donc quand on regarde là, on voit une qui est arrachée. Donc la différence, elle est quand même flagrante. Et c'est pas loin d'être quasi miraculeux, puisque quand on voit ça, c'est extrêmement sale. Et là, c'est pas parfait, mais il y en a qui sont juste enterrés, il y en a qui ont rien, mais il y en a au moins 10 fois moins après qu'avant.
Donc ici, il va s'agir de ne pas se faire prendre de vitesse. Donc là, les mauvaises herbes qui ont survécu, elles vont se développer très vite. Donc si on les laisse comme ça, elles vont dépasser au moment de la récolte. Donc ce sera un peu embêtant. Donc je crois qu'il va falloir repasser avec soit la RC Tri, soit la roue rotative. Dès que les poids se seront un peu remis, donc peut-être déjà dans 4-5 jours.